Cet après-midi, la cour d'assises de Corse du Sud a entamé l'examen des faits avec la déposition de la policière chargée de diriger l'enquête. À la barre, la fonctionnaire a retracé les investigations. 31 juillet 2017, une femme se présente au commissariat d'Ajaccio. Elle vient déposer plainte. Elle dit avoir subi plusieurs viols de la part de son ex-compagnon, Ludovic Ledoux. Sur l'ordinateur de ce dernier, les policiers vont découvrir plusieurs vidéos à caractère sexuel, dont de nombreuses ont été postées sur un site de pornographie amateur. Sur les images, on voit la plaignante, endormie, inconsciente, subir des pénétrations anales et buccales. Et pour l'avocat de la partie civile, cela ne fait aucun doute, ce sont bien des scènes de viol. Les femmes, même légitimes, même habituelles, même celles avec lesquelles on vit, ne sont pas des poupées, ne sont pas des objets sexuels. Et je crois que ce qu'elle veut faire en ayant un procès public, c'est de dire, de faire passer aussi ce message, de dire, regardez, vous n'êtes pas seule. J'ai été violée par mon mari, c'est une humiliation suprême. Eh bien, elle relève la tête et elle dit, la honte, elle ne doit pas être de mon côté. La honte, elle doit être du côté de l'auteur. Pourtant, au cours de sa garde à vue et durant l'audience, l'accusée réfute la qualification de viol pour sa défense. L'accord, le consentement de la plaignante a été donné avant qu'elle ne s'endorme. Ils avaient des relations de couple, des relations donc de vie, de couple, et que ces relations étaient parfaitement consenties. Il y a un endormissement, effectivement, de la partie civile et une histoire de consentement qui aurait dû être réitérée. C'est le point juridique du débat qui va se porter certainement à partir de demain. L'audience se poursuit demain avec l'audition de la partie civile.